Seigneur notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous accordes pour nous approcher auprès de toi, recevoir ta bénédiction, recevoir de toi la force, le pouvoir nécessaire pour vivre dans ton royaume et pour servir dans ton royaume. Nous bénissons ta parole que nous partageons en ce lieu. Nous bénissons ton peuple rangé pour la recevoir. Et tout cela, nous voulons la proclamer sous l'autorité de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer très bien notre Dieu? Je croyais que tu pouvais faire mieux que ça. Parce que tu acclames pour le roi. Tu n'acclames pas pour un individu. Tu acclames pour le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la magnificence, à lui l'autorité, à lui la délivrance, à lui le salut, à lui la bénédiction, à lui la liberté, à lui la libération, à lui la transformation, à lui le règne et la domination pour des siècles et des siècles. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde encore ce soir à partager sa parole. Je reconnais qu'il y a deux jours passés, je pouvais être ici, mais avec tout ce qui s'est passé en chemin, je me suis décidé de rentrer parce que je ne savais pas arriver ici à temps. Mais si je suis là ce soir, c'est la grâce de Dieu et je bénis Dieu pour cette occasion qu'il m'accorde ainsi que les responsables de la paroisse pour avoir insisté que nous soyons là. Nous allons lire le texte des Actes des Apôtres au chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous allons lire un peu l'histoire qui est autour de notre thème. Nous commençons à partir du verset 12. Les Actes 26. Actes des Apôtres 26. À partir du verset 12 jusqu'au verset 18, il est écrit ceci. C'est ainsi qu'un jour, muni de plein pouvoir que m'avaient accordé les chefs des prêtres, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'entendis une voix qui me disait en hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lequel je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. » Quelqu'un peut dire « Amen » très bien. Veuille reprendre ta place. Est-ce que ton amen peut être un peu plus convaincant que ça?
Voici, bien-aimés dans le Seigneur, un texte qui va nous aider à contribuer sur ce qui est notre thème de cette période. Mais moi, j'aimerais parler de la triple conscience de notre délivrance. Une triple conscience. J'aimerais que tu sois conscient trois fois que Dieu t'a libéré, que tu es libéré, que tu es hors tu es hors du contrôle de l'ennemi et que tu puisses aussi jouer ton rôle pour que d'autres personnes atteignent le niveau auquel tu es arrivé. Alors, j'aimerais justement parler de cette triple conscience de notre délivrance. Et nous avons besoin d'être conscients de ce que nous sommes, de ce qui nous est arrivé, de ce que nous pouvons faire, afin que le plan de Dieu s'accomplisse, non seulement dans notre vie, mais par notre vie. L'histoire que nous sommes en train de lire nous est racontée par l'apôtre Paul, qui est devenu un des grands dans sa période, un des grands serviteurs de Dieu qu'on ne pouvait pas imaginer avant, mais parce que le dessein de Dieu l'avait prévu ainsi. Le texte que nous lisons nous raconte qu'il avait le mandat d'arrêter les chrétiens, et c'est ce qu'il faisait. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, c'est là où l'histoire, en fait, est bien décrite. Il avait le plein pouvoir d'aller arrêter les chrétiens, de les faire emprisonner et même d'autres de les faire exécuter. Il dit que son zèle l'amenait même à l'étranger, au lieu d'arrêter les chrétiens qui sont seulement en Israël, lui allait jusqu'en dehors d'Israël. Il allait dehors pour aller arrêter ceux-là qui prient le Seigneur. Ceux qui sont des juifs, mais qui sont sortis de leur pays et qui prient le Seigneur ailleurs. Il allait jusque-là pour les arrêter. Et c'est sur ce chemin-là qu'il était en train de partir. Et il raconte l'histoire. Il est en train de raconter ça au roi Agrippa. Il dit qu'il était sur le chemin, en train de partir, qu'il avait une grande lumière. Il précise d'abord qu'il faisait midi. Il était midi, mais la lumière qu'il a vue n'avait rien à voir avec le soleil en plein midi. Une forte lumière l'a enveloppé et il est tombé par terre et il nous va commencer à lui parler en hébreu. Il dit, pourquoi tu es en train de me tuer? C'est là qu'il s'est rendu compte que, en arrêtant les chrétiens, en les maltraitant, leur chef sentait quelque chose qui s'est passé et ne pouvait pas laisser les choses aller jusqu'au-delà de toute acceptation. Et il a arrêté ce projet-là, il a arrêté ce programme-là. Et le monsieur qui était censé aller arrêter les chrétiens devient lui-même l'objet des prières des chrétiens, parce que plus tard, il est entré à Damas aveugle, lui qui allait arrêter des chrétiens, il entre là aveugle et c'est un certain Ananias qui a été appelé pour prier pour lui afin qu'il recouvre la vue et qu'il reprenne maintenant le témoignage. C'était un peu compliqué parce que ceux qui l'ont envoyé à Damas ont appris qu'il est en train de prêcher le Jésus qu'il était en train de combattre. Déjà à partir de Damas, les gens qui l'ont envoyé ont appris que ce monsieur-là a rejeté votre pouvoir en cours de route parce qu'il a rencontré un autre pouvoir plus grand que ça. Les papiers que vous lui avez donnés, il les a perdus même, il ne pouvait même plus les voir. Il est entré à Damas, un autre qui a le pouvoir plus grand est intervenu, il a libéré, maintenant il a changé de camp, il commence à prêcher Jésus-Christ. Amen. Alors, ceci nous amène à croire en ce que lui-même est en train de raconter, que Dieu l'a préparé pour sortir les gens du camp de Satan vers Dieu.
C'est ce que nous sommes en train de c'est de ça que nous parlons en ce moment et cette semaine, nous sommes en train de prier pour cela. Alors, j'aimerais donc, après avoir introduit ce sujet-là, donner trois éléments de conscience que nous devons avoir pour que notre conviction puisse nous amener à réaliser les plans de Dieu dans notre vie. La première chose que la Bible nous fait voir ici, et pour laquelle j'aimerais que tu sois conscient, qu'il est possible que quelqu'un quitte le camp du diable et qu'il se retrouve dans le camp de Dieu. C'est possible. C'est possible que tu sortes du contrôle de Satan et que tu entres vers Dieu. C'est possible que tu quittes le camp des ténèbres et entres dans la lumière. C'est possible que quelqu'un, endiablé qu'il soit, puisse devenir chrétien. C'est possible que quelqu'un change de camp. C'est tellement possible que tu dois être conscient que c'est possible. Si ce n'est pas possible, alors pourquoi tu devrais prier? Si ce n'est pas possible, alors pourquoi tu devrais travailler pour ça? Je suis venu dire à quelqu'un, je ne connais pas qui t'a lié, je ne connais pas qui t'a bloqué, mais je sais que c'est possible que tu te débarrasses de tout ça et que tu jouisses de la liberté que Dieu a prévue pour toi. Je suis venu sonner dans la foi de quelqu'un pour lui dire que ce blocage que tu vois là, c'est possible que ça disparaisse. Et ça n'a pas besoin d'un procès pour que ça puisse disparaître. Cette histoire qui te bloque là, c'est possible que ça disparaisse et tu n'as pas besoin de cérémonie pour que cela puisse devenir réel. Je me pose la question. Si un monsieur comme Paul, sur le chemin de la persécution, rencontre Jésus, comment toi qui le cherches, tu ne peux pas le rencontrer? S'il a sauvé quelqu'un qui n'a même pas demandé qu'il soit sauvé, quelqu'un qui n'a même pas invoqué son salut et pourtant il était en train d'aller arrêter ceux qui le priaient. Si Dieu peut le sauver, comment il ne peut pas te sauver? Comment il ne peut pas te délivrer? Je suis venu te dire de ranimer ta conscience que moi aussi, chaque fois que je rencontrerai des problèmes flous dans ma vie, je déciderai de me débarrasser de ça et je m'en sortirai au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément pour lequel nous devons être conscients. Pourquoi? Parce que cette possibilité est dans les plans de Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est dans les plans de Dieu que cette possibilité existe. C'est comme ça que le Seigneur a dit à Paul, « Je t'avais déjà préparé, même quand tu faisais ces bêtises-là, dans mon plan, tu devais déjà avoir la mission de sortir les gens des ténèbres vers la lumière. » Dieu a déjà pris des dispositions pour que tu quittes la vie des ténèbres et que tu entres dans la lumière. Il a déjà pris des dispositions pour qu'il t'utilise aussi d'aider les gens qui sont dans les ténèbres pour qu'ils entrent dans la lumière. Il a déjà pris ces dispositions-là. Et je vais expliquer rapidement les dispositions que Dieu a prises pour que ça soit possible de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des lumières. Dieu ne travaille pas au hasard. Dieu travaille dans un système. Il travaille dans un ensemble de dispositions qu'il a déjà prises pour que sa volonté se réalise partout où on obéit à sa parole. La première image des dispositions de Dieu pour le salut, je vais la prendre à partir de l'image que vous connaissez très bien de Nombre 21, du serpent que Moïse avait érigé dans le camp des Israélites. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est très bien connue. Les Juifs avaient murmuré contre Dieu. Ils étaient presque prêts pour entrer dans la terre promise. Quelques-uns ont dit non, cette terre-là est remplie de géants, on va nous tuer. Donc bref, ils n'ont plus fait confiance en Dieu. Ils ont cru qu'en entrant là-bas, ils vont mourir. Alors Dieu a décidé qu'ils retournent encore 40 ans dans le désert. Ils ont commencé à murmurer et en murmurant, les serpents ont commencé
à les mordre et à les tuer. Donc, ils ont eu un problème avec des serpents. Des serpents brûlants commençaient à les mordre et les faire disparaître. Ils sont allés chez Moïse, ils ont dit, nous avons péché, que le Seigneur nous pardonne, qu'il enlève seulement les serpents. Je crois en avoir parlé ici une fois aussi. Qu'il enlève seulement les serpents. Moïse est allé chez Dieu pour dire, enlève seulement les serpents, les gens se répandent, ils ne vont plus murmurer. Pardonne ton peuple. Dieu dit, oui, je pardonne mon peuple, mes serpents, je n'enlève pas. Les serpents seront toujours là. Ils vont continuer à mordre tous ceux qui vont murmurer contre moi. Les serpents seront là. Ils vont mordre les gens et les gens qui murmurent contre moi vont mourir. Mais si quelqu'un ne veut pas mourir, alors toi tu vas placer un poteau et fabriquer un serpent d'airain. Tu le mets sur ce poteau-là. Les gens vont vivre leur vie normale. Celui qui murmure contre moi et qui se fait mordre par le serpent, s'il ne veut pas mourir, qu'il tourne seulement ses regards et qu'il fixe ses yeux sur le serpent que tu auras érigé là. Le fait de m'obéir et de regarder à ce serpent va détruire le pouvoir de la mort qui circule en lui. Ce sont les dispositions que Dieu avait prises. C'est des dispositions qui poussaient les gens à faire confiance en Dieu et à obéir à Dieu. D'abord, croire que c'est une histoire, ce n'est pas de la blague, c'est possible, et ensuite, exécuter cela. Alors, il est arrivé, effectivement, que Moïse a mis le serpent et plusieurs personnes ont échappé à la mort parce qu'ils ont obéi. Ils ont regardé au serpent de reins et ils ont obéi, ils ont fait confiance à Moïse et à partir de là, la mort a cessé d'être mort. La mort a cessé de détruire les gens. Les serpents ne pouvaient plus se vanter d'avoir un certain pouvoir parce que ce que Dieu a fabriqué comme moyen a détruit le pouvoir qui circulait. Et Jésus-Christ a récupéré cette image. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le camp pour que ceux qui regardent le serpent échappent à la mort, moi aussi je suis venu pour donner ma vie afin que ceux qui croient en moi ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc Jésus se réfère à ça. De la même manière que le pouvoir des serpents, le venin des serpents, perdait le pouvoir de détruire la vie de quelqu'un qui regardait à la solution que Dieu avait placée. De la même manière, quiconque est contrôlé par le diable, quiconque est envoûté par le diable, quiconque est maudit par le diable, quiconque est la proie de la mort par le diable, qui croirait en Jésus, qui regarderait Jésus, se débarrasserait du pouvoir de la mort et du pouvoir de Satan. Ce sont les dispositions que Dieu a prises. Et là où Dieu prend des dispositions, tout ce qu'il faut, c'est de croire. Il n'y a rien que vous puissiez faire de plus. C'est d'accepter que c'est comme ça. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qu'il est possible que tu quittes le royaume des ténèbres pour le royaume des lumières. Il est possible que tu te débarrasses de tous les liens, de tout ce que l'ennemi a monté contre ta vie, pour que tu sois libre, parce que Dieu a pris il a déjà pris des dispositions, et ces dispositions sont en Jésus-Christ. C'est la première réaction, une vérité centrale de la Bible qui doit entrer dans notre conscience. Je ne sais pas si c'est ici que j'expliquais le rôle de notre conscience dans la vie, parce que ce qui passe par notre conscience finit par affecter notre vie. Dieu a fait que nous puissions fonctionner à deux niveaux, le niveau conscient et le niveau inconscient. Le niveau conscient entre en contact avec tout ce que nous voyons. Lorsque vous mangez, n'est-ce pas que consciemment vous choisissez les morceaux que vous voulez, consciemment. Mais lorsque vous mettez ça dans le ventre, de quelle manière tout ça se transforme pour devenir partie intégrante de votre corps, vous ne savez pas comment ça se passe.
Vous êtes presque inconscient de ça. Mais Dieu a pris des dispositions pour que ça devienne une réalité. C'est la science qui va plus loin pour nous dire métabolisme, mais tout ça, on ne voit pas ça avec l'œil nu. Donc, quelque chose que tu choisis avec ta conscience, travaille en dehors de ta conscience pour affecter ta vie, pour affecter ton corps et devenir partie intégrante de ton corps. C'est la même chose que Dieu a utilisé pour nous instruire. À partir de notre conscience, nous pouvons sélectionner quelque chose de bien. Écoutez-le en train d'instruire Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour réfléchir et agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui prend son plaisir à méditer la parole, la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous connaissez tout ça. Et la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce que si la nourriture que nous prenons consciemment agit sur notre vie biologique, la parole de Dieu, qui est esprit et vie, que nous avalons consciemment, agit dans notre esprit et affecte notre pouvoir spirituel. Si quelqu'un peut comprendre ça, alors tu vas comprendre que consciemment tu dois méditer ta parole. Consciemment, tu dois croire. Consciemment, tu dois accepter qu'il existe un mécanisme pour que je sorte de toutes sortes de blocages. Et ce mécanisme, c'est Dieu qui a mis ça en place et c'est en Jésus-Christ. J'entre en Jésus, je suis sauvé, je suis libéré, je suis délivré. Il est non seulement le bon berger, mais il dit que je suis la porte des brebis. Quelqu'un qui entre par moi, il entrera, il sortira, il sera libre d'entrer et de sortir et de trouver des pâturages. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre, nous dit la parole de Dieu. Donc, Dieu a préparé un plan de délivrance, de libération. Et ce plan-là a été exécuté en Jésus-Christ. Et du fait que Jésus a exécuté ce plan, je dois toujours croire que même mon père, même mon frère, même ma mère que je vois comme s'il habitait avec les diables, il peut changer demain. Il n'y a personne qui ait un cœur incapable, plutôt plus puissant que la puissance de la délivrance que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Donc je dois prendre conscience qu'il est possible de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est possible de quitter le pouvoir de Satan pour appartenir à Dieu. C'est possible, je dois être conscient de ça. Je ne dois pas mettre des limites à ça parce que le Dieu qui rend ça possible a un pouvoir illimité. Alors, avec ça, je préfère déjà dire à quelqu'un que la petite chose qui te dérange là va disparaître ce soir. Parce que même si tu ne crois pas moi, je suis venu croire à ta place. Et cette affaire-là va cesser de te tourmenter, cette affaire-là va cesser de te bloquer, ce lien-là va cesser de t'empêcher, parce que celui qui vient te délivrer est vrai. Son pouvoir est vrai, son autorité est vraie, et il a déclaré que c'est à lui la délivrance, c'est à lui la libération. Il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu qui délivre, et il est possible que tu puisses quitter de la puissance de Satan, du pouvoir de Satan, à expérimenter le pouvoir de Dieu. Prends conscience de ça, que c'est possible. Parce que c'est possible, tu peux commencer à prier avec conviction que ça peut t'arriver aussi. Il y a des gens qui se demandent, qui ne savent pas si ça peut être possible. Et quand ils prient, ils disent que
Mon problème ici, d'ailleurs, il s'en attribue. Mon problème ici, j'ai commencé ça depuis 10 ans, mon problème là. Il ne me quitte jamais. S'il part pendant une minute, il peut retourner autant de fois. Mon problème là, je ne sais pas quand est-ce que ça partira. En fait, je t'informe qu'il est possible que ça parte définitivement. Et si tu le veux, ça partira aussi définitivement. Et si tu le crois, ça partira définitivement. Parce que Dieu a déjà pris des dispositions pour que ça parte définitivement. Et ces dispositions sont en Jésus-Christ. Jésus est venu, il a vécu à ta place. Il est monté à la croix, il est mort à ta place. Et à la croix, il a dépouillé les puissances des ténèbres afin qu'en son nom, les gens soient libérés. Je raconte toujours cette histoire que j'ai vécu il y a quelques années en arrière. On m'avait amené un enfant, je crois 13 ou 14 ans. Il était dans une école de la place. Je préfère ne pas parler de quelle école. Mais il était initié à la magie. Et sa mère l'a attrapé dans la toilette en train de produire la fumée. Un petit de 12 ans, 13 ans. La maman ouvre la toilette, c'est la fumée et le voit en train de parler. Elle était presque tombée évanouie. Elle ressort, son enfant est déjà à ce niveau-là. Oh, elle force l'enfant, elle m'amène au bureau. Prie pour cet enfant ici. Il faut le délivrer de la magie. Je lui pose la question, tu fais la magie? Il dit oui. Maintenant, tu as besoin que je prie pour toi? Il dit non. Pourquoi? Il dit, j'aime la magie. Parce que j'ai des preuves. Je vois des choses. Mais vos histoires là, moi ça ne me dit rien. Mais j'aime la magie. Je dis, alors pourquoi tu es venu? Il dit, c'est ma mère qui m'a amené ici. Si ça ne dépendait que de moi, je ne serais pas venu. Or, quelqu'un à ce niveau-là, vous priez pour lui, ça ne va pas marcher. Alors, je lui ai dit, bien, comme moi aussi je suis un père, et que j'ai le pouvoir d'aider les enfants comme toi, alors je vais te donner une occasion. Je ne vais pas prier pour toi, mais tu vas rentrer ce soir chez toi. Tu vas faire un rêve. Mais je t'autorise de citer le nom de Jésus une seule fois dans ce rêve-là. Tu vas partir. Il est sorti. Il est parti. J'ai dit au Saint-Esprit, fabrique-lui le rêve. Parce que tu es venu pour que les gens aient des visions, des rêves. Fais-lui le rêve conformément à ce que je viens de lui dire. Amen. C'est le privilège que nous avons de prier Dieu et de collaborer avec lui pour le salut de tout homme. Et le petit est allé à la maison. La première fois qu'il dort, il rêve, les gens sont venus l'attaquer. Ils sont venus avec des machettes, des flèches. Pourquoi tu es allé voir ce pasteur-là? Pourquoi tu es allé voir? Alors, pendant qu'ils étaient en train de discuter, on voulait lui enfoncer des flèches, il a crié « Jésus !» C'était la débandade. Donc tous ces gens ont fui, ils sont partis. Alors, maintenant, il a commis l'imprudence de dormir pour la deuxième fois. Les mêmes gens sont venus plus nombreux pour l'attaquer. Il voulait crier Jésus. Une voix lui dit, on t'avait autorisé de citer ce nom une seule fois. Pendant que les gens s'approchaient, il a crié Jésus. Pas de fait. Ils étaient en train de s'approcher et il s'est réveillé. Résultat. Cherchez-moi le pas. En vitesse, même si on reçoit Jésus comme, je ne sais pas, en vitesse, il est venu lui-même à genoux et dit, je veux de ce Jésus-là. Je vais demander qu'on m'arrange le... Il dit, je veux de ce Jésus-là le plus vite possible. Aujourd'hui, il est en Europe. Un pasteur, un ex-magicien, simplement parce qu'il a rencontré la puissance de Dieu qui délivre.
c'est possible que la personne que tu crains là devienne comme toi, chrétien. C'est possible. Dieu a déjà pris des dispositions. Et je suis venu ici pour qu'aucun de ces petits diables là continue à fonctionner dans son plan contre quelqu'un ici. Afin que ta prière de ce soir soit une prière où tu te libères totalement de cette histoire. Prends conscience que c'est possible. Deuxième chose. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, que Dieu m'a préparé avant le temps pour que je fasse ce travail-là. Il m'a préparé avant le temps. Il m'a préparé avant le temps pour que je fasse ce travail. Et comment je dois le faire? Il dit, témoigner de ce que je veux. Je préfère que nous relisions ce texte-là très bien pour que tu comprennes le mécanisme qui est là. Parce que si tu le comprends, ça sera un avantage pour toi. Il est écrit, je suis dans les Actes des Apôtres que je venais de lire ici, le chapitre 26. Je lis à partir du verset 18. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple. Laissez-moi aller un peu au verset 16. Mais lève-toi, voilà ce que je cherchais. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes ce que pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Donc je t'ai choisi pour aller dire aux gens que tu m'as vu, que tu m'as rencontré, que je t'ai changé, je t'ai transformé. Peut-être c'est anodin, mais c'est très important que vous puissiez comprendre que c'est capital ici. Tu vas aller dire aux gens que tu m'as vu. Et quand tu leur diras ça, ils vont croire. Et quand ils vont croire, ils seront sauvés. Je pense que vous voyez le schéma. Donc, Paul devait prendre conscience que la vision qu'il avait avec Dieu, de Dieu, la rencontre qu'il avait lui donnait l'autorisation, le mandat de parler de ça aux autres pour affecter aussi la vie des autres. Je suis en train d'y arriver. Prendre conscience que tes expériences en Jésus-Christ constituent la base de la communication de la puissance de Jésus auprès des autres. Retiens ça. Tes expériences, même si Jésus exauce ta prière d'une session que tu as gagnée, cette expérience-là constitue une base qui te permet de communiquer cette puissance-là aux autres. Peut-être qu'auprès de toi, ça ne semble rien. Je vais vous dire pourquoi c'est puissant. Pourquoi toute expérience qu'on passe avec Jésus-Christ transfère une puissance. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est simple. Mais vous devez d'abord comprendre que vous ne devenez pas médecin après avoir subi une opération. Le médecin vous opère le ventre, il ferme, vous partez, vous ne devenez pas médecin. Mais une fois que quelqu'un ait mis la main sur toi, qu'il ait prié pour toi et tu es guéri, tu peux aussi, par cette expérience, mettre la main sur quelqu'un d'autre et prier, la personne sera guérie. Je pense que vous êtes en train de... Je préfère que tu comprennes ça. Prendre conscience que toute expérience avec Christ, même une petite expérience,
deviendra une occasion pour toi quand tu témoignes. Celui qui entendra ça n'entendra pas la petite chose, mais recevra le pouvoir qu'il y a derrière cette expérience. Donc Dieu a qualifié l'expérience des hommes pour que, en racontant cela, en témoignant cela aux autres, la puissance de Dieu puisse passer au travers de ça. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quelles sont les dispositions que Dieu a prises pour que le simple témoignage, c'est toi qui négliges ça, mais le simple témoignage que tu donnes aux autres transfère un grand pouvoir, même la puissance de Jésus, au travers de ça. Je n'ai pas le temps de lire ce texte-là. Mais un jour, les Juifs sont venus demander à Jésus de faire un miracle pour qu'ils croient. Quel est le miracle que tu fais pour que nous puissions croire que tu es le Fils de Dieu? Il leur dit, pour vous, il n'y aura aucun autre miracle que le miracle de Jonas. Il leur dit, pour vous, le miracle dont vous avez besoin, c'est le miracle de Jonas. C'est Jésus qui a situé ça. Quel était le miracle de Jonas? Jonas était envoyé à Ninive pour prêcher et il a fui à Tarsis. Il a fui ailleurs. Vous connaissez l'histoire, je n'entre pas dans les détails. Il a voulu fuir. La Bible dit, Dieu a fait souffler le vent. Bref, on a pris Jonas, on l'a jeté dans l'eau et un poisson l'a avalé. Contre gré, malgré, Jonas est allé à Ninive. Ça, c'est la première chose. Il est allé là-bas contre son gré parce que, d'après Jonas, les gens de Ninive avaient maltraité les Juifs. Il faut qu'ils restent dans les péchés pour que Dieu les punisse. Si je vais leur donner la bonne nouvelle, ils vont se repentir. Et je connais ce Dieu-là, il est miséricordieux, il va leur pardonner. Moi, je préfère qu'ils restent dans leur péché. Ça, c'était le problème de Jonas. Et il a fui, il n'est pas parti. Mais le poisson l'a retourné. Jonas se retrouve à Ninive. En étant à Ninive, lisez Jonas chapitre 1, chapitre 2, chapitre, c'est des petits chapitres. En arrivant à Ninive, une grande ville où il pouvait faire la marche pendant 40 jours. 40 jours de marche. Jonas se décide, non, 3 jours de marche. Jonas se décide de ne pas apporter la bonne nouvelle, mais d'apporter un message de menace. Il leur dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il a traversé la ville depuis l'UPN jusqu'à Kimbanseke là-bas. C'est les exemples que je prends. En traversant, son message était dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et puis, il a terminé son message. Il est parti vers le plateau de Bateke là-bas. Il s'est assis et il a commencé à se moquer de Dieu. Il dit, bon, tu voulais que je parle, non? J'ai parlé. Maintenant, je veux voir. Tu vas encore me demander d'aller à Ninive. Je suis venu, le message, je l'ai donné. Maintenant, je veux voir comment tu vas délivrer ce peuple-là. Il a commis l'erreur, je ne sais pas à qui il a dit, qu'il avait fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Parce qu'il n'est pas allé là-bas dans un bateau. Il est allé là-bas par un poisson. Maintenant, le roi a commencé à demander. Il dit, demandez un peu aux gens de la DGM, là, de l'immigration. Quel est le bateau qui est venu ce jour? Oh non, il n'y a aucun bateau. Mais le monsieur là qui parle comme ça, il vient d'où? Oh non, il vient de loin. Mais il est arrivé ici comment? Oh, par un poisson. Attendez. On nous dit qu'il a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il dit, attendez. Quelqu'un qui fait 3 jours dans le ventre d'un poisson, qui vient vous dire que dans 40 jours, vous serez détruits, mieux vaut croire. Alors, toute la ville, depuis le roi jusqu'aux animaux, ils ont gêné. Même si son message n'avait pas de force, mais du fait que lui-même avait fait 3 jours dans le ventre du poisson, cette sortie du ventre du poisson donne à son message le pouvoir qu'il faut pour toucher le cœur des gens. Maintenant, Jésus prend cette image-là. De la même manière,
que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson et qu'il est sorti vivant et que son message a effrayé les gens. Le Fils de l'homme fera 3 jours dans le ventre de la terre. Il fera 3 jours dans le ventre de la terre et il va ressusciter. Quiconque racontera des choses sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez que quiconque va raconter quelque chose sur lui va véhiculer, pas n'importe quelle puissance, mais la puissance de la résurrection. Tous les témoignages qu'on va annoncer sera couvert par la puissance de la résurrection. Quelqu'un qui entendra ça n'entendra pas ta petite expérience, mais parce que la parole de Dieu est esprit et vie, l'esprit et la vie vont continuer à courir derrière tes quelques mots. C'est pourquoi les premiers témoins, Jésus a voulu qu'ils soient les témoins de la résurrection. Témoins de la résurrection. Les premiers, il s'est montré pendant 40 jours à tout le monde pour qu'ils voient qu'il est vivant. Même à celui qui a douté qu'il était ressuscité, il lui a donné des preuves. Il dit, viens, mets ton doigt ici, enfonce ton doigt là-bas. Et Thomas a enfoncé, il a cru. Et dit, voilà, vous êtes la première génération, vous êtes les témoins de ma résurrection. Vous allez témoigner et les gens vont croire. Mais il y a des gens qui auront cru sans avoir... Je ne sais pas si vous entendez ça. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Il y a des gens qui ne m'auront pas vu physiquement ressuscité, mais qui vont croire. Leur témoignage aura la même force que vous ici. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est possible, si tu as été délivré d'un certain péché, que tu parles à quelqu'un d'autre qui est dans ce péché-là, lui aussi soit délivré. C'est possible parce que ton témoignage véhicule pas tes sentiments, pas la force de n'importe quoi. Non, ça véhicule l'autorité de celui qui a posé cet acte dans ta vie. Son autorité aussi est véhiculée par ce que tu es en train. C'est pourquoi il ne faut pas aller raconter aux gens ce que Dieu n'a pas fait pour vous. N'inventez rien. Il y a des gens qui veulent impressionner. Ils inventent un miracle. Non, n'inventez pas. Laissez Dieu faire le miracle authentique dans votre vie et racontez ce qu'il a fait pour vous. Et ce qu'il a fait pour vous touchera le cœur de ceux qui ont les mêmes problèmes. Parce qu'il y a des gens qui vont prier, Seigneur, toi qui as fait ceci à mon frère, fais aussi la même chose pour moi. Et il le fera. Et il le fera. Dieu veut susciter au milieu de nous des modèles où, chez qui il a déjà travaillé. Afin que par les témoignages, c'est nous qui avons éliminé les témoignages, même dans nos cultes, même dans nos, on n'en parle plus. Mais les témoignages renseignent que Dieu est à l'œuvre. Il est en train de travailler. Je m'appelle d'une dame, je ne sais pas, c'est des choses que je raconte à gauche, à droite. Je peux avoir aussi raconté ça ici, je n'en sais rien, mais parce que ça me vient à l'esprit. Elle avait l'appendicite aiguë. Et le médecin, c'était à Lubumbashi, lui a dit, on va t'opérer parce que tu es presque à terme. Mais je ne te garantis pas, en opérant, en ouvrant, peut-être tu peux mourir ou peut-être c'est l'enfant qui peut mourir. Alors, moi je te laisse le week-end, va consulter la famille, va qu'ils te disent qui devrons-nous sauver. Si on doit choisir entre toi et l'enfant, qu'on sauve qui? Va demander. Son mari était un officier de l'armée. Elle va, elle parle à son mari. Son mari dit, il y a le pasteur Daniel qui vient prêcher au camp aujourd'hui. Tu vas aller lui demander, parce que moi je vais en voyage, que lui te dise qui il faut choisir. Vous voyez comment on nous crée des problèmes. Et le dimanche, après avoir prêché, la maman, vraiment, comme nous avons l'habitude de dire, très enceinte, là, elle vient, elle me voit et dit, voici ce qui se passe. Si tu peux prier pour moi. J'ai tenu sa main. J'ai récité le passage qui dit, si deux personnes s'accordent sur la terre
pour demander quoi que ce soit à mon Père, à mon nom, cette chose leur sera accordée. C'est ça que dit le passage, Matthieu chapitre 18. Ce passage dit, si deux personnes tiennent la même chose pour demander l'utilisation, Dieu leur accordera l'autorité de l'utiliser. C'est ça la vraie version. Alors, j'ai tenu sa main, j'ai dit, Seigneur, conformément à cette parole, nous venons aussi ensemble, nous sommes sur la terre, à deux, nous demandons la mort. Elle a enlevé la main. La mort de la maladie, hein, elle a retourné la main. Elle m'a retourné. Nous avons demandé la mort de la maladie. Et 6 mois après, elle est venue avec le bébé en me disant, l'Esprit de Dieu m'a dit, va voir mon serviteur, dis-lui que ça marche. Voici cet enfant. Il n'y avait ni la mort de la maman, ni la mort de... On a cherché la maladie, là, on ne l'a pas trouvée. Elle avait disparu quelque part. Prends conscience que tout ce que Dieu fait avec toi doit être capitalisé pour utiliser ça afin que son pouvoir touche les autres. Voilà pourquoi tout ce qui t'arrive n'est pas pour rien. Ne sois pas négligent des choses que Dieu fait pour toi, parce que si tu les oublies, tu seras comme s'il n'a jamais rien fait pour toi. Nous, les hommes, nous sommes comme ça. Nous pouvons oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Une fois, j'étais étudiant, je me suis amusé à écrire toutes les prières que je faisais et tous les exaucements. J'ai rempli un cahier comme ça. Et je l'ai perdu. Maintenant, pendant vers 91, là, quand il y avait des pillages ici, un frère a perdu son ami, tué à bout portant par des militaires. Alors il a décidé d'abandonner sa foi ce jour-là, mais il est tombé sur ce bouquin-là que j'avais oublié chez son grand frère. Il a commencé à lire comment Dieu avait exaucé mes prières. Il s'est ressaisi ce jour-là et il a aussi demandé que Dieu commence à exaucer ses prières. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant que le nombre est très grand. » Et c'est Dieu qui a fait les petites choses fera des grandes. Et c'est Dieu qui a fait des grandes choses continuera à faire des grandes choses. Si tu as déjà vu un signe de la part de Dieu quelque part dans ta vie, sache qu'il est là. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Prends conscience. Prends conscience que ce que Dieu a déjà fait, il est capable de le faire. Il est capable de continuer à le faire et il continue à le faire dans ta vie. Ça, c'est la deuxième conscience. La troisième conscience. L'apôtre Paul. J'aimerais que nous puissions lire ça rapidement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous commençons à partir du troisième verset. Et nous allons nous arrêter au verset 10. Il est écrit ceci. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres.
Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Bref, que ce soit eux, que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Quelqu'un peut dire trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. La troisième prise de conscience est au niveau de la grâce que Dieu va te faire pour que tu deviennes meilleur. Il faut prendre conscience que plusieurs choses ne t'arriveront pas parce que tu es bon. Plusieurs choses ne t'écuiront pas parce que tu es mauvais. Mais Dieu te fera une grâce particulière pour réussir dans tout ce qu'il te demande de faire. Il te fera une grâce, il t'accordera une faveur particulière. Donc il y a des choses qui t'arriveront simplement parce que Dieu te fait faveur. Je parlais avec un président d'une université américaine. J'ai discuté avec lui parce que son fils, qui n'a même pas fini la maîtrise, était vice-président de l'université. Maintenant, j'ai discuté avec certains professeurs qui disaient, voyez-vous les Africains, celui-là, il a mis son fils vice-président, il n'a même pas la maîtrise. Et nous qui sommes des doctorants, il nous laisse à côté. Alors, je pose la question à ce monsieur-là, le président, je dis, mais comment tu peux prendre ton fils, tu le mets vice-président de l'université, il n'a pas encore terminé les études. Et après, il me dit, il a la chance d'être mon fils. C'est parce que moi, en tant que père, j'ai décidé d'offrir ça à mon fils. Qu'il mérite ça ou pas, mais c'est la grâce que je lui offre. Donc, bien-aimé, tu vas être béni de manière étonnante. Tu vas posséder des choses que les hommes de la terre ne reconnaîtront pas auprès de toi. Ils ne te donneront même pas une chance que tu arrives à ce niveau-là. Mais Dieu, il va t'accorder sa faveur pour que tu réussisses, pour que tu avances, pour que tu progresses, pour que tu t'élèves, pour que tu t'imposes. Et la grâce de Dieu a trois bénéfices, trois bénédictions que ça apporte dans la vie. Et je vais proclamer ça comme des prophéties dans la vie de quelqu'un. La première bénédiction que la grâce apporte, la grâce de Dieu peut t'aligner sur la liste des meilleurs concitoyens du temps. L'apôtre Paul était mauvais. Il était malfaiteur, mais il est aligné parmi les meilleurs. Simplement par la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu seras parmi les meilleurs médecins, les meilleurs avocats. Dieu fera de toi que tu sois meilleur de ton nom. Non pas parce que tu es plus intelligent que les autres, mais parce que Dieu te fait la faveur. Il te fera la faveur. Sa faveur n'est pas une discrimination. Sa faveur n'est plus ni moins la faveur. Il te fera une faveur. Tu monteras les échelons. Tu occuperas une position. Dieu te bénira. Dans ta famille, tu seras meilleur. Dans ta société, tu seras meilleur. Dans tes concitoyens, parmi tes concitoyens, tu seras meilleur. Que Dieu fasse de toi le meilleur de ta catégorie. Parce que du point de vue intelligent, vous êtes intelligent de la même manière. Vous pouvez opérer les gens de la même manière. Mais toi, tu as une dose de la grâce, de sorte que tu réussiras là où les autres échouent. Tu avanceras là où les autres sont bloqués. Simplement parce que tu auras la grâce. Là où tout le monde s'arrête, où tout individu, où tout scientifique peut s'arrêter, toi tu auras la grâce de progresser. Donc la grâce d'être sur la liste des meilleurs. Et je prie
que ton nom commence à circuler comme étant le meilleur quelque part. Si tu es professeur comme meilleur professeur, si tu es médecin comme meilleur médecin, si tu es avocat comme meilleur avocat, il y a des choses qui ne t'échapperont pas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Tes enfants verront que tu es le meilleur parmi les parents, le meilleur parmi la maman, les mamans, tu es meilleur, tu seras meilleur. Ton mari trouvera que tu es meilleur, ta femme trouvera que tu es meilleur. Même le célibat qui t'a trop contrôlé verra que tu es meilleur pour le mariage. Alors il doit t'abandonner pour le mariage. La deuxième chose que la grâce fait, la grâce vient donner la vitesse de rattrapage dans la vie. La vitesse de rattrapage. Regardez l'apôtre Paul. Pendant qu'il était en train d'aller arrêter les gens comme les Simon, Pierre, ils guérissaient déjà les malades, ils ressuscitaient les morts. Donc ils étaient en avance. Ils étaient déjà à un niveau où ils guérissaient les malades. Lui était encore au niveau d'arrêter les chrétiens. Mais quand il a reçu la grâce, la vitesse avec laquelle il a dépassé tous ces gens-là, il les a tous dépassés. Regardez, 12 apôtres concentrés à Jérusalem, gérant une seule petite église de Jérusalem, lui avec 30 églises en Asie, lui seul. Quelle vitesse! Que Dieu te donne la vitesse. Ceux qui t'ont précédé ne sont pas en avance. Et tu ne seras pas en retard par rapport à qui que ce soit. N'envie pas ceux qui t'ont précédé. Ceux qui t'ont précédé n'ont pas pris ta place. Ceux qui t'ont précédé n'ont pas pris ta part. Ceux qui t'ont précédé n'ont pas pris tout ce qu'il y a. Auprès de Dieu, il y a tout. Auprès de Dieu, nous avons tout. Chacun a son temps. Tu arriveras en ton temps. Mais Dieu va te donner la vitesse. Oui, mais la vitesse de rattrapage peut faire aussi que tu t'es marié en retard et puis brusquement des triplés commencent à venir dans ta vie. Simplement pour la vitesse de... Je ne parle pas en slogan, je parle réellement. Je parle comme les enfants disent, je parle de vrai. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça va t'arriver. Peu importe ceux qui ont fini avant toi, peu importe ceux qui se sont mariés avant toi, c'est peu importe ceux qui sont allés plus loin avant toi, Dieu te donnera la vitesse qu'il faut pour arriver. Et la troisième chose dont tu dois être conscient de la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu et même la grâce de Dieu, elle ne te quittera jamais. Elle marchera avec toi et elle t'accompagnera avec un bonheur de vivre. C'est comme ça que David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est parce que la grâce sera présente que certains miracles t'arriveront. C'est parce que la grâce sera présente que tu recevras le pardon. C'est parce que la grâce sera présente que tu recevras la délivrance. C'est parce que la grâce sera présente que tu vas t'échapper là où on t'a attrapé. C'est parce que la grâce sera présente que nul ne tiendra devant toi, tu progresseras sur le chemin. C'est parce que la grâce sera présente que là où tout le monde va s'arrêter, tu ne t'arrêteras pas, tu vivras la loi des exceptions. S'il y a une loi d'exception, alors ça sera toi. Oui, toute cette famille-là, les femmes, les filles ne se marient pas, excepté-t-elle. Oh, les hommes de cette famille-là n'atteignent pas tel âge, excepté-t-elle. Les gens qui sont, qui ont des problèmes de sucre ne vivent pas longtemps, excepté celui-là. Les gens qui ont le problème de tension mélangée au sucre ont toujours des problèmes. Mais celui-là, on ne comprend jamais. Il vit à l'aise, il est heureux, il vit longtemps, longtemps.
prends conscience qu'il est possible de quitter le royaume des ténèbres pour arriver au royaume des lumières. Prends conscience que Dieu a déjà pris toutes les dispositions et ces dispositions sont en Jésus-Christ. Prends conscience que les expériences que Dieu te fait faire ont pour objectif de te rendre capable de communiquer sa puissance au travers de ton témoignage. Prends conscience que Dieu te fait grâce. Il y a des choses que tu auras, pas parce que tu mérites, mais parce que Dieu te fait grâce. Alors là où tu sens que tes mérites s'arrêtent, attache-toi à la grâce de Dieu. Ce que tu désires deviendra une réalité. Et prends conscience que Dieu va te dédommager les années dévorées par les sauterelles parce qu'il te donnera la vitesse de rattrapage. Prends conscience que Dieu ne veut pas que tu disparaisses comme ça. Que ton nom reste dans les palmarès des gens qui ont vécu. Dans ton quartier, on verra une maison à trois niveaux et dit, c'est qui a fait ça? Même un moustique anophèle qui vit 14 jours laisse des victimes derrière. Des gens bien habillés en train de trembler parce qu'une petite histoire qu'on efface comme ça avec le doigt est passée par là. Et toi, tu es plus que ça. Comment la terre ne va pas sentir que tu es passé par là? Tu laisseras des preuves. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu confesses ce que tu crois, et que tu saisisses l'objet de ta conscience, triple conscience, de la possibilité de la libération, de la délivrance, elle est possible, parce que Dieu déploie sa force, de la possibilité que tu affectes les gens avec le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Quelqu'un entendra ça, sa vie changera. Il dira, depuis que j'ai entendu ce que Dieu a fait au travers d'un tel, moi aussi, j'ai pris conscience qu'il peut aussi me faire ça. Voilà pourquoi tu as ce problème-là et tu dois prier que Dieu intervienne pour que ça fasse partie des témoignages. Tu as encore un lot de problèmes qui doit être transformé en témoignages et tu dois croire que c'est possible. Regarde tous tes problèmes à venir comme devant être transformés en témoignages pour que tu sois le témoin véritable de Dieu dans ces matières-là. Et enfin, la grâce de Dieu. Sois conscient qu'elle va te faire dépasser le niveau de mérite et t'apporter une vitesse extraordinaire dans ta vie pour rattraper tout le temps perdu et faire de toi une personne de référence dans ta famille et dans ta société. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, écoutez-moi. On va prier en trois temps. Écoutez-moi. On va prier en trois temps. Le premier temps, tu vas identifier des problèmes qui te préoccupent.
des problèmes qui t'arrachent la joie, qui te créent la tristesse. Tu connais ce problème-là et tu vas le citer. Tu vas dire, stérilité, je sais que je peux quitter la stérilité pour atteindre la fécondité. Tu vas déclarer que Dieu a la possibilité de te faire partir et tu crois que tu pars de ce blocage-là à autre chose. Tu vas citer le problème et tu déclares que je crois qu'avec la puissance illimitée de Dieu, je déclare que je sors de ce problème pour rentrer dans la victoire. Tu cites ce problème-là. Ne va pas chercher d'autres. Cite le problème. Tu en as deux, trois, quatre, cinq. Tu déclares qu'à partir de maintenant, tu quittes le chômage pour avoir le travail. Tu quittes le célibat pour avoir ce mariage-là. Tu quittes les liens de la mort pour jouir de la liberté. Proclame cela, proclame cela. Je quitte les maris de nuit, je quitte les femmes de nuit, je quitte les cauchemars pour dormir tranquillement toutes mes nuits. Déclare ta sortie de toute forme de blocage. Au nom de Jésus, il te sera fait selon ta foi. La puissance qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu quittes ce blocage. Tu quittes ce blocage au nom de Jésus. Écrase ce pouvoir-là. Détruis ce pouvoir-là. Anéantis ce pouvoir. Anéantis ce pouvoir. Détruis ce pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis ce pouvoir au nom de Jésus. Anéantis ce pouvoir au nom de Jésus. Tu quittes les ténèbres de l'échec, les ténèbres de défaite, les ténèbres des maladies chroniques, les ténèbres de l'obscurité. Tu quittes les ténèbres, tu entres dans la lumière, tu quittes le blocage, tu saisis la lumière, au nom de Jésus. Écrase ce célibat-là, tu écrases cette stérilité-là, tu écrases cette haine de l'adversaire. Tu dois passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Royaume de Satan, royaume de Dieu, du pouvoir de Satan à Dieu. Deuxième prière. Au nom de Jésus. Deuxième prière. Nous allons demander une expérience particulière. Jésus dit ceci. Si votre fils vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un scorpion.
S'il demande du pain, vous ne lui donnez pas des pierres. S'il demande des œufs, vous ne lui donnez pas des pierres. Vous ne lui donnez pas autre chose que ce qu'il demande. À combien plus forte raison votre Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit? Je sais que tu as plusieurs expériences, mais nous allons demander que Dieu nous fasse grâce de vivre consciemment avec le Saint-Esprit. Que nous sachions qu'il est là. Quand il nous parle, que nous puissions entendre. Quand il nous dirige, que nous puissions voir. Qu'il contrôle même nos rêves, même quand nous dormons. Dans la conscience, nous allons demander. Dans l'inconscience, nous vivrons cela. Nous allons demander que Dieu nous fasse grâce de nous donner l'Esprit qui marche avec nous de manière consciente. Que chaque fois que j'aurai besoin de demander la volonté de Dieu, que je ne souffre pas pour la découvrir. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu de t'accorder la faveur. La faveur de l'Esprit. La faveur de l'action de l'Esprit. La faveur de l'Esprit. De marcher avec l'Esprit. De communier avec l'Esprit. De vivre l'Esprit. De comprendre l'Esprit. De recevoir l'Esprit. De rayonner l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, notre Paraclétos, notre aide par excellence. Nous ne sommes pas des orphelins. L'Esprit de Dieu, il nous attribue des dons. Il nous conduit dans la vérité. Il nous révèle des choses cachées. Il nous explique la parole. L'Esprit agisse en toi. Que l'Esprit parle en toi et parle par toi. Que l'Esprit marche avec toi. Que l'Esprit s'élève dans ta vie. Que l'Esprit combatte tes adversaires. Que l'Esprit arme ta vie. Que l'Esprit fasse briller Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Que l'Esprit de Dieu s'accroche à toi. Que l'Esprit de Dieu brille en toi. Que l'Esprit de Dieu éclaire ta vie. Que l'Esprit de Dieu fasse fuir tes adversaires. Que l'Esprit produise le miracle dans ta vie. Au nom de... L'Esprit marchera avec toi. L'Esprit agira en toi. L'Esprit produira la vie de Christ en toi. L'Esprit se manifestera en toi. Maintenant, conscient de tout ça, tu élèves ta voix pour louer Dieu à cause de la grâce qu'il t'a donnée. Crois que tu as la grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu es sauvé. La grâce est venue avec Jésus.
La loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. C'est le Seigneur des grâces. Il te fera grâce. La grâce t'amènera sur les hauteurs. Bénis Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée. Nous allons proclamer la sainteté de Dieu. Il est le Dieu saint. Son règne est un règne de sainteté. Et il va rayonner sa puissance dans nos cœurs maintenant. Je te préviens, quelque chose va t'arriver ce soir parce que tu as invoqué l'Esprit. J'ai vu ça et je sens que c'est le moment que ça doit venir. Quelqu'un sera touché et quelqu'un sera maintenant conscient que le Saint-Esprit est là, en train de le toucher. Oh,
Sur le chemin de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Dieu avant de recevoir la bénédiction. Dis-lui merci pour le temps qu'il t'a accordé en ce lieu, pour la grâce qu'il t'a fait dans ta vie, cette grâce qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as aimés le premier et qui as libéré ton amour au travers de Jésus-Christ, un amour qui nous a affranchis, qui nous a libérés, qui nous a montré la face du Père, un amour qui est attaché à nous, au point que rien ne peut nous détacher de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi que ce soit. Nous voulons bénir ton peuple au sortir de ce lieu et que ta bénédiction les accompagne. C'est toi qui nous as demandé de libérer une bénédiction sur ton peuple et que toi-même tu vas t'occuper de réaliser ça dans la vie de chacun d'eux. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es béni pour réussir, tu es béni pour progresser, tu es béni pour être élevé, tu es béni pour le succès. Tu es béni dans le précieux, glorieux, puissant, magnifique nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée à tous.